Yo les potes Sensio, aujourd'hui nouvelle petite vidéo. Je vais vous expliquer comment migrer votre compte Mojang, etc., Java pour Microsoft. Et donc, pour ce faire, vous aurez en récompense une cape. Et en fait, si vous ne migrez pas votre compte avant une certaine date, votre compte sera supprimé, etc., et vous ne pourrez plus jouer. Et en plus de ça, quand vous allez migrer, en plus d'avoir une cape exclusive, une vraie cape Minecraft, vous aurez plus de sécurité sur votre compte, etc. Donc bref, quand vous lancez votre launcher, vous allez avoir une page qui apparaît. La mienne, j'ai déjà cliqué dessus, donc on la voit plus, malheureusement, parce que on voyait mon numéro de téléphone et j'ai pas trop envie que vous ayez mon numéro de téléphone. Du coup, j'ai dû recommencer la vidéo, j'ai un peu le seum. Mais du coup, même si on voit plus le gros message, on voit quand même un petit message ici. Donc sachez que vous aurez deux messages. Le premier ici, que vous allez tout le temps avoir, donc même maintenant. Donc c'est juste une FAQ pour connaître un peu plus de choses, donc on s'en fiche un peu. Et le deuxième, vous l'aurez pas tout le temps. Donc c'est le truc pour commencer à migrer votre compte. Donc voilà, il y a marqué avoir une cape spéciale, etc. Donc bref, vous aurez un gros message sur votre launcher. Ensuite, les gars, vous avez plus qu'à lancer minecraft.net et là vous allez avoir ceci. Si vous ne l'avez pas, c'est normal, les gars. Il faudra juste attendre. Tant que vous l'avez pas, vous pourrez rien faire. Ça sert à rien de chercher d'autres vidéos. Tant que vous n'avez pas cette page sur votre minecraft.net, vous ne pourrez pas le faire. C'est pareil pour le launcher. Tant que vous n'aurez pas le truc écrit, vous ne pourrez pas le faire. Bref. Du coup, voilà. Hop. Du coup, ensuite, les gars, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer, si vous allez appuyer. Merde, je vais vous le remontrer. Hop. Hop. Voilà. Vous allez appuyer ici sur migrer votre compte. Donc ensuite, il y aura un endroit où il y aura marqué rentrer le code. Donc ça veut dire que vous devrez confirmer votre adresse mail. Donc vous allez sur votre adresse mail qui est là. Et puis vous aurez un truc de Mojang. Vous savez quoi, je vais vous montrer tout de suite. Ça va être plus rapide. Ok les gars, du coup voilà. J'ai ouvert mes mails pour vous montrer. Donc vous allez avoir un truc de Mojang. Voilà. Avec le code. Donc le code il est valide pendant 10 minutes, etc. Bref, on s'en fiche. Et j'en ai même pris un deuxième pour être sûr. Donc voilà, donc c'est juste le code pour valider votre mail. Il y a pas de trucs spéciaux, etc. C'est juste pour valider votre mail. Ensuite, vous continuez avec votre compte Microsoft. Votre profil Xbox, Microsoft, c'est pareil. Vous liez vos comptes et vous pouvez rejouer. Donc moi j'en suis à là. Donc j'ai mon compte Xbox qui est PrinceAnd. Donc ça c'était mon pseudo à l'ancienne sur ma chaîne YouTube. Donc on va appuyer. J'ai juste fermé l'écran au cas où parce qu'on sait jamais, ça se trouve il y aura encore mon numéro de téléphone. Ok les gars, je viens juste de cliquer sur le bouton que vous avez vu. J'ai juste cliqué dessus et voilà ce qui m'affiche. Move complete. Next time you sign in on Minecraft.net or launcher, make sure to use your Microsoft account. Donc en gros, ça veut dire que maintenant, quand je vais me connecter à Minecraft.net sur Google ou sur mon launcher Minecraft, donc le jeu Minecraft, ça veut dire que je devrais utiliser mon compte Microsoft et pas mon compte Mojang. Donc voilà, on peut voir mon profil, mon Xbox, blablabla. Hop, got it. Ok, et maintenant on va lancer le jeu pour voir tout de suite les récompenses qu'on a eues. Ok, déjà les gars, quand je clique sur skin, donc ici on peut mettre des skins, etc., son skin, et je peux mettre ma cape. Donc voilà, je la sélectionne. Donc je pense que si vous venez d'acheter le jeu, vous l'aurez peut-être pas parce que je crois qu'il faut une date. Genre, il faut avoir joué à Minecraft en 2020, un truc dans le genre. Donc, je sélectionne ma cape, hop, je l'ai sélectionnée, et tout de suite, on lance le jeu. Ok, les gars, alors là, je suis sur Minecraft, mon launcher, et il m'a déconnecté totalement. Donc, soit je sélectionne Mojang, mais je crois que c'est pas ce qu'il faut faire, ou soit je sélectionne mon compte Xbox. Donc, on va sélectionner le compte Xbox. Ok, alors du coup les gars, j'ai sélectionné mon compte Microsoft. Hop, on peut le voir juste là. Donc j'ai mon compte Ensue, donc le compte Minecraft Mojang, et j'ai mon compte PrinceAnd YouTube de Microsoft ou Xbox. Donc dans nos trucs, normalement il y a encore tout les gars, donc vous allez rien perdre vos versions. Dans skin, on peut voir le skin. Donc j'ai mis la cape et on va tout de suite lancer le jeu. Hop. Je lance le jeu avec vous, on va lancer ensemble. Donc normalement, il va rien changer, à part juste que bah, vous avez une cape et vous devez changer de compte, donc avoir un compte Microsoft.
Si vous n'avez pas de compte Microsoft, c'est très simple. Vraiment. Vous pouvez vous le créer tout de suite. Hop, ça lance le jeu. Minecraft 1.17.1. Ah, je sais pas si vous voyez bien mon écran. Ah oui, c'est bon. Ok. On va lancer directement sur iPixel. Hop. J'espère que c'est bien. Je sais pas s'il va y avoir des différences ou. Je pense pas. Hein. Ok. On va aller au lobby. Hop. Ok. Je vais récupérer vite fait mes petits cadeaux au quotidien. Hop. Ok. Attention les gars, est-ce que vous êtes prêts à ce que je tourne mon personnage? Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Oh là là. Attendez. Oh, c'est ma première cape. Bon, faites pas attention à l'effet derrière, c'est un effet iPixel. Donc voilà mon skin, si jamais vous l'aviez jamais vu. J'ai rajouté le petit chapeau Axolotl sur mon skin. Avant, je l'avais pas. Et il y a plein de références. Je vous laisse trouver toutes les références. Il y en a beaucoup, beaucoup des références sur mon skin. Mais du coup, voilà, on peut voir ma cape. Oh, lui aussi, il a la cape. Je crois qu'il y en a beaucoup des gens qui vont la voir, la cape. Bref, donc voilà la cape, comment elle rend. En vrai, c'est grave cool. Moi, j'ai toujours voulu avoir une cape sur Minecraft parce que je trouve que ça rajoute un flow. Après, celle-là, on va pas se mytho, c'est pas la plus belle non plus. Mais du coup, voilà à quoi elle ressemble. Lui aussi, il a la cape, regardez, même lui. Du coup, voilà. Normalement, les gars, la migration, vraiment, si vous l'avez pas encore, elle va bientôt arriver, vraiment. Genre, normalement, il y a plein plein de gens qui l'ont. Donc, ça devrait pas tarder. Donc, voilà, les gars. En tout cas, quand on joue, bah, on la voit pas la cape. Donc, en soi, ça change pas l'expérience de jeu. Sauf s'il y a des gens qui jouent comme ça, mais je pense pas. Donc, voir vraiment, ça change pas l'expérience de jeu. Et juste, on a une cape en plus. Et c'est grave cool. Ce que je vous propose, c'est qu'avant de finir la vidéo, déjà, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Et avant de finir la vidéo, on va se faire un petit pack opening. Donc, c'est parti. C'est parti. Petit pack opening. On a eu un gadget de plage, ok. Je vais même me mettre comme ça, avec ma carte. On a eu quoi? Un objet épicé, ok. Attention. On a eu un gadget dé, ok. On va ouvrir que les boîtes comme ça. Ok, un truc nul. Et la dernière. Et de la merde. Du coup, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pensez au code créateur NSU dans la boutique Epic Games. Et puis, si vous avez des questions, dites-les-moi en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Allez, ciao!